J'en place une pour Mino et Arnaud, ambiance électrique. Devant le mic, pas de ventilo, alors comme d'hab, je suis maîtrise. Aujourd'hui 30 novembre, on reçoit sur le plateau de Fort FM JB et Julio, le groupe LSQ. Salut à vous. Salut. Tu vas bien? Merci. Vous allez merci, bien, ça merci. Va les gars. Ça va, merci. Ils viennent nous parler de la sortie de leur album. Merci à vous déjà d'avoir répondu à l'appel de Fort FM. Et pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore, pouvez-vous nous raconter la genèse de cet album, L'écho du tonnerre? Alors en fait, avec mon équipe, on s'appelait La Squadra. Tu vois, maintenant on a mis le diminutif, on s'appelle LSQ. On était quatre à chanter. Et on a fait le premier album à 4. Et depuis, ben, on n'était plus que 2 parce que les deux autres amis n'avaient plus trop le temps, bien que ça écrit de leur côté, ils n'ont jamais lâché la plume, mais plus trop le temps du studio, l'envie des albums et tout. Donc on s'est dit avec mon pote Incognito, on fait ça à 2. On invite les copains, les frérots quand ils peuvent venir, et on sort ça à nous deux, question de mettre un peu de contenu et de ne pas rester sur le premier album, quoi. Donc on a fait celui-là à 2. Quoi. D'accord, Vincent. Donc Julio, je te resalue de nouveau. Resalue, dis-moi tout. Moi je connais La Squadra depuis un petit moment. Ok. Sans d'encre, ah, premier album. Bébé, ça. Ah, il est très lourd celui-ci. Donc il date d'à peu près 5-6 ans, c'est ça? Ouais, 6-7 ans. Donc pas 2016. Mal de featuring. Oui. Maintenant, nouvel album, LSQ. Donc pourquoi avoir changé de nom? Écoute, nous on connaissait pas, on a vu qu'il y a un groupe qui s'appelle aussi déjà La Squadra, tu vois, mais nous il y a 6, 7, 8 ans, on savait pas, il y a 10 ans quand on a formé LSQ, ça fait 10 ça ans. Ça date. On savait pas, on a vu qu'il y avait un autre groupe qui s'appelait La Squadra, on voulait pas que dans les recherches YouTube, ça chamboule, ça si, ça, on est loin d'avoir leur vue, hein, t'as compris, nous c'est à notre échelle. Oui. Mais du coup, on a dit on met LSQ, parce que nous, déjà on appelait ça LSQ avant, La Squadra, LSQ c'était le diminutif, on a dit allez on met LSQ dessus, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de... D'accord. De malentendu. Donc l'album Écho du tonnerre, il y a la preview qui est disponible sur YouTube. C'est ça. Franchement, ça s'annonce vraiment pas mal. Rien que la preview, moi j'ai trouvé que c'est, ouais, ça sonnait vraiment bien, donc j'ai hâte d'écouter l'album entier. Ah bah ça fait plaisir, tu me diras. Toi JB, tu es donc le beatmaker, tu as composé c'est pratiquement ça, ouais. Tout. Ouais, il y a... Franchement, y a, je crois qu'il y a trois morceaux où j'ai pas fait les prods. Ouais, sinon tout le reste c'est moi. JB. D'accord. D'accord. Et tu, il y a un nouvel album en préparation, donc. Ah oui. Là, c'est ce que je voulais t'en parler, mon ami. Là, il y a la Storm. En fait, c'est mon album solo. D'accord. J'ai préparé. J'ai déjà fait 6 morceaux. Je fais le 7e là en fin d'année, et je fais le reste l'année prochaine. En fait, c'est mon album solo qui me tient à cœur parce que ça fait 10-15 ans que je rappe, tu vois. Je voulais, tu sais, c'est un challenge aussi. J'ai vu Incognito faire son album quand j'étais petit. Je disais, waouh, tu sais, je voulais aussi le mien poser que moi. Et du coup, là, je pense que c'était l'heure, tu sais. Mm-hmm. Au début, je voulais pas. Moi, toujours, je disais, moi, c'est les copains et tout. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Je fais en solo, mais j'ai les copains qui viennent au studio. Et... Mm-hmm. L'un n'empêche pas l'autre. Et au moins, j'ai tout dans mon univers, tu sais. Mes instrus que j'aime bien. JB, il m'envoie des 2-3 instrus par semaine depuis 6-7 mois. Et j'en valide une tous les 2 semaines, on va dire. D'accord. Parce que je suis assez chiant. Pardon, je suis assez difficile. Poitilleux. Tu vois. Faut l'écouter beaucoup de fois et après, je dis, ok, celle-ci. Ouais, c'est des bon, fois, je lui dis un prendre. Jour, écoute, celle-là, je pense pas. Et au bout de 3 jours, je lui dis, dis-moi que t'as pas supprimé celle-là. Donc, tu choisis vraiment les prods qui vont coller en voilà. Fait à ton texte. J'ai que écrit. J'ai rien dit, j'ai que écrit. Et là, je prends le meilleur des prods, des textes pour faire. J'essaie de faire un petit bijou. Un petit bijou, ouais. On aborde les choses différemment quand on travaille en solo et en groupe. Déjà pour les instrus, quand on est 4, si 2-3 fois t'as dit que t'aimes pas trop la prod, la 5e fois tu vas pas de nouveau venir et dire hey, les gars j'aime pas, donc tu vas accepter. Donc c'est pas que tu l'aimes pas, mais c'est pas la prod que t'aurais kiffé, c'est une prod normale que tu vas... Tu sais, c'est dur de se mettre d'accord sur les instrus à 4, c'est dur de se mettre d'accord sur les thèmes à 4. Les goûts sont peut-être différents aussi. Voilà, c'est ça. Après nous on est quand même... On a les mêmes goûts, mais une vraie prod qui va me prendre à cœur à moi, elle va pas prendre à cœur mon pote. Forcément, et vice versa. Ouais. C'est rare qu'on en a une, on se dit tous les quatre énormes, ça arrive, et quand il y a ça, on fait un bon truc. Donc il y a des compromis à faire. Voilà, dans le premier album, on a fait une musique où on a fait chacun son instru. On a chanté à 4, mais chacun a eu son instru. Comme ça, il n'y avait pas de tu sais, j'aime moins, tu sais, ça. Tu écouteras, tu me diras, ça, c'est un petit concept. Tu vois. Bah justement, ouais. Justement, dans le titre de l'album qui porte le nom de l'album Écho du tonnerre. Ouais. Tu es aussi en feat avec Assassin et Pushka qu'on a reçu samedi sur notre plateau, mais dans l'ensemble de l'album, il y a aussi d'autres artistes. On voit Poison Verbal, Kassem. C'est qui fait pote. Aussi des prods. Je vais aussi prendre des prods de lui pour. On voit aussi, oui, prod de Karma. Ça, c'est encore donc un autre intervenant de cet album. Ça, c'était sur Internet. D'accord. Voilà, ça, je le connais pas personnellement. D'accord. Et toi, JB, donc, tu es beatmaker, mais tu as aussi, je veux dire, tu as une structure aussi dans laquelle tu distribues des instrumentales, du moins. Ben là, pour l'instant, je mets les instrus sur Instagram.
Et par la suite, je vais envoyer sur Beatstar et tout ça, là où on peut... Il y a un morceau sur l'album, là, Sans d'encre, de la Squadra, le premier album. LS Queen's Bride. Ah, LS Queen's Bride. Feat Godfather. Ah, ça sert avec le jeu. Ce morceau. Bah écoute, ça m'a vraiment fait plaisir parce que tu sais, nous on est dans un petit coin, on est là, et mon pote, grâce à Instagram, il a réussi à, bah mon pote JB, hein, il a réussi à le contacter parce que lui il est fan de rap old school, des Mobb Deep, tout, lui il est calé sur ça, tu sais. Et moi je le connaissais que de nom, il me dit ouais, Godfather, Infamous Mob, je dis ça me dit quelque chose, j'ai écouté un deux sons, et du coup j'ai écouté, j'ai aimé, tu sais. Il me dit nous, lui on peut l'avoir. Je dis bah écoute, on le prend, on a vu ça avec mes gars, on était quatre, on s'est dit les gars, un gars du Queens, tout, on le prend. Et en fait, lui il faisait un tour d'Europe, il nous expliquait qu'il faisait ça pour nourrir sa femme et nourrir sa famille. D'accord. Il faisait le tour de tous les gens qui voulaient faire un feat avec lui. Ce qui fait que quand il est venu, il venait d'Allemagne. Ouais, il est sorti à la gare à Sarrebruck, mais le lendemain il est reparti pour Amsterdam faire un featuring avec quelqu'un et après je sais pas où il est encore allé. Et en même temps, il faisait des concerts, sur la route, sur le volet. Et tu sais, sur le coup, on a pas il a fait la route une semaine après. Ouais, mais en même temps, il était quand même là. Bah, c'est pas il le prenait, tu vois, il le prenait pour les concerts et tout, donc il faisait des tournées concerts, il faisait des featuring à droite à gauche. Je crois même qu'il en avait fait juste avant vous à Paris. C'est pas où il était, notre MC à Paris. On a saisi notre chance. Bien sûr, c'est quand même glorifiant, je veux dire, d'avoir une entité comme ça sur son ça album. Nous a fait plaisir, vraiment. C'est clair, c'était hein. Quelque chose. On avait le Queensbridge à se tirer. Ouais, c'est ça, ça nous a c'est fait ça cool. Le truc. Alors, Julio, déjà, félicitations pour ton travail. Merci beaucoup. C'est vraiment étonnant, c'est impressionnant, c'est merci magnifique. Beaucoup. On aimerait bien revenir un petit peu sur tes débuts. Ça fait longtemps que t'es dans la musique. Comment tu as baigné dedans quand t'étais plus jeune et tout? Alors, moi, c'est tout simple. Moi, quand j'étais petit, j'écoutais des sons du secteur. J'écoutais Incognito à fond, pour moi c'était le meilleur rappeur pacastirien, tu vois, quand j'étais petit c'était en France, c'était Incognito, c'est lui qui me représentait quand je partais au CFA, j'étais petit et tout. Il a un sacré ton de voix en plus, Incognito. Hein. Très très fort. Très très fort. Hein. Et merci mon pote. Et du coup, ouais, en fait dans la cave de mon pote Incognito et de son frère Tony, de leur père Patrick, à qui je passe un grand bonjour d'ailleurs. Gros big up. Ah ouais. Ils avaient un petit studio, tu sais, comme on peut faire amateur, avec un petit truc, une petite table, un petit ordi qu'on avait trouvé je sais pas où, et c'était Incognito qui nous réglait tous les morceaux. Mais moi et son petit frère Tony, on dormait presque dans la cave avec Vordel. Donc du coup, il revenait, il avait 15 morceaux, donc il y a des morceaux et des morceaux qui sont pas sortis, mais je le comprends, tu sais. Et du coup, là, il a plus le temps avec les enfants et tout, tac, tac, il nous fallait des studios. Donc on a fait le premier chez East Selection, à H1. C'était très carré, c'était propre. Et là, pour vous simplifier la vie, je vais à côté chez mon pote K2 qui est très fort et Universal. Et tu sais, c'est en famille là où on est entre nous, on vient tous les mercredis, croissant, tu vois. C'est... et on fait ça doucement. Et là, du coup, ben, là, on travaille pour Storm qui me tient vraiment à cœur, quoi. Donc, de ces débuts-là jusqu'à Storm, vraiment une belle aventure, hein, un grand chemin. L'écho du tonnerre pour annoncer la Storm, tu vois. Donc, depuis, il y a eu donc cet album-là. Celui-ci, et bientôt donc prochain album solo, Storm. C'est ça, pour 2023. Tu viendras d'ailleurs sur notre plateau pour voilà, pour printemps, été 2023. Donc, on fera 2-3 clips aussi là, début d'année, question de mettre du visu. Là, on continue le travail dans l'ombre et début d'année, on lance les hostilités. Donc, chers auditeurs, hein, n'oubliez pas d'aller voir cet album-là, donc LSQ. Si je peux me permettre d'en placer une, merci à tous les gens qui me soutiennent de ma ville. Les gens d'ailleurs, les gens qui ont déménagé, qui m'envoient quand même la force. On n'est pas beaucoup, mais je sens qu'on m'envoie tous les mercredis quand je vais au studio. Là, je suis en train de prendre des frissons alors qu'on parle de 10 gars qui m'aident. Mais franchement, merci à tous. Vous donnez la force et chacun met sa pierre à l'édifice et on essaie de représenter ce qui est le 57. Oui, voilà, tu restes quelqu'un en fait de simple. Mais oui, on est comme tout le monde, hein, mon ami. Et avant de se quitter, quel est le titre que tu voulais présenter aux auditeurs qui regarderont cette vidéo et à ceux qui écoutent la radio? Ben écoute, un bon clip de la Squadra que j'aime bien, Paralysie Interne, issu du premier album, Sans d'encre. D'accord. Ce serait cool. Eh ben écoute, on va le diffuser tout de suite après, en fin d'interview. Donc tout de suite le clip, et n'oubliez surtout pas d'aller voir aussi pour le prochain album de Julio. On va vous mettre l'adresse ici juste en bas. Ah là, sur Facebook, Instagram, j'envoie pratiquement tous les semaines du contenu quand je suis au studio. Quoi. Super, ben restez informés, et puis dès la sortie de Storm, tu seras le bienvenu de nouveau sur notre plateau. Ça marche, on pourra débriefer de tout ça. Exactement. C'est cool, ben merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous les gars. Ciao, ciao. Merci aux auditeurs. Et à bientôt sur Fort FM. Un sourire cache des soucis, oublie la galère, elle est trop belle à vivre pour s'envoyer en l'air. On a tous des problèmes, il faut savoir les résoudre, frère. Dis-moi avec qui tu
donc faut pas que je croise les matons. Toi tu me dis qu'elle est bonne, moi je te dis qu'elle m'attend. Je débarque dans ta résoie, j'rate ta taille et je bois ta femme. Je crame ma paye en un coup de flamme. J'ai tout le matos en un coup de fil, c'est que des polos et ils font les folles. Le rap voilà que c'est de pourrir. Les vrais puristes se font trop rares. Les rappeurs sont tous trop pourris. Je bégère leurs vieux faux sur le trottoir. Crois pas que beu égale MC. Eux n'ont pas de lexique, je vois qu'une marée de Tommy. Je marie la vodka, la taurine, esprit nocturne, écriture matinale. Lisa Anne inspire nos burnes, certifié maturatina. Je vais plus haut comme Arenatina. Ma gosse est inache. Vu le niveau, faut pas que les petits lâchent. La star chez toi, je la prends au petit déj. Je suis à Monza, ils sont bloqués au virage. Mes punch des crachats au visage. Mon rap passe crème, supplément pistache. Bébé, si t'es belle, on te piscache. Des chatons faits, je taffe chez Huiscas. Ce qu'est cette petite ouvrier qui vit loin de la métropole. Y'a des traces et des débiles comme mes casses du monopole. C'est les cités minières, la grisaille matinale. Frère, il faut une minère, du bois sur les cervicales. Ça perd la tête, développe des pathologies. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on grave l'ontologie. Hé, hey, ontologique, tout est imprévisible. Quand je tente comme mes forces du mal, pour toi ils sont invisibles. J'écris la tête, ben c'est car je préfère la solitude. Me mettre au plein tête, je trahir mes habitudes. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et à liker. À très bientôt sur Fort FM.